À la requête du parquet de Namur, la police nous demande de diffuser l'avis suivant. Le mardi 6 janvier 2015, vers 14h50, une personne âgée, domiciliée à Jambes, reçoit la visite d'un faux policier. Il parvient par le biais de différentes ruses à subtiliser la carte bancaire et le portefeuille de la victime. Moins d'une heure plus tard, ce même auteur, prétendant cette fois être un agent du gaz, se présente chez une autre personne âgée, également domiciliée à Jambes. Il subtilise de la même manière la carte bancaire de la victime et son portefeuille. L'auteur de ces deux vols se rend ensuite à l'agence bancaire BNP Paribas Fortis de Jambes. Il utilise les cartes bancaires des victimes pour effectuer des retraits d'argent. Il est filmé par les caméras de surveillance. Suite à cela, le voleur est repéré peu avant 16h au Quick de Jambes. Il se rend au drive-in du fast-food à bord d'une VW Golf type 4 de couleur foncée. Il utilise une nouvelle fois la carte bancaire d'une des victimes pour effectuer ses achats. Les caméras le filment encore au moment de son départ. L'auteur est un homme de type européen, âgé d'une trentaine d'années. Il est de corpulence mince et d'allure soignée. Il a les cheveux foncés, coiffés en arrière. Il portait au moment des faits une veste trois quarts, munie d'une capuche. Une chemise claire, un gilet foncé, un jeans bleu et des chaussures de ville noires. L'auteur circule à bord d'une VW Golf de type 4 de teinte foncée. Si vous reconnaissez cet individu ou si vous avez des informations sur ces faits, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300.